C'est la quatrième fois qu'on vient à Agen, quatrième fois consécutive que Agen Agora nous accueille, et la ville d'Agen évidemment pour le championnat de France des jeunes d'échecs. D'une année sur l'autre, on a toujours essayé de faire une montée en gamme, de rajouter des nouveautés, des spécificités, pour aujourd'hui aboutir à une édition que je considère comme étant probablement une des plus grandes éditions du championnat de France des jeunes d'échecs. La petite particularité cette année, c'est qu'on accueille les joueuses des équipes de France qui viendront mercredi pour discuter, prendre des photos avec des enfants, faire une animation pour tous les jeunes d'ici. On peut dire que Agen aujourd'hui est une terre des échecs grâce aux efforts de Monsieur le maire, grâce au club de l'échiquier Agenais qui aussi est un très très bon club, très complet, qui adresse les écoles, qui adresse aussi la compétition, le haut niveau. C'est tellement stressant et aléatoire parce qu'il y a des niveaux très forts et très hauts. Et puis voilà, on ne veut pas mettre plus de pression que ça. On a 2-3 joueurs qui peuvent faire des choses, effectivement. L'important, c'est que tout le monde s'amuse et que tout le monde évolue pendant cette semaine sur son développement propre. Venez au club, allez plus loin, venez vous développer encore plus. Et vous verrez qu'au-delà du sport, c'est vraiment un esprit.